Bienvenue à votre bulletin Sport 30. À la une, c'est le jour J pour les Remparts. Ils disputent leur 90e et dernier match de la saison. La troupe de Patrick Roy affronte les Thunderbirds de Seattle en finale de la Coupe Memorial. Les Remparts ont bénéficié de 4 jours de congé depuis leur dernier match. Au départ, Jérémy Langlois se fait brasser par Colton Dock. Québec avait marqué dès la première minute de jeu dans la victoire de 3-1 face aux Thunderbirds lundi dernier. Encore une fois, les Diables Rouges dominent le début de match. Après Pierre-Olivier Roy, c'est Cassine Gaudet et Nathan Gaucher qui n'arrivent pas à concrétiser une chance à deux contre le gardien. Brad Lambert est le premier à menacer le filet de William Rousseau. Après s'être faufilé entre les deux défenseurs, Rousseau relève ce premier test avec brio devant Lambert. Il s'agit d'un duel entre les deux meilleures défenses au pays. Marquer le premier but devrait donc être particulièrement important et c'est Québec qui frappe en premier. Bien servi par Gaudet, Sévolod, Komarov touche la cible. Un revirement de Charles Truchon dans sa zone offre la chance à Seattle de répliquer. Le tir du revers de Karl Krunkovic est bloqué par Rousseau. Reed Sheffer ouvre ensuite la porte au Rempart en écopant d'une pénalité de 4 minutes pour ce coup à la tête de l'Anglois. Mais Québec n'arrivera pas à en profiter. Au tour de Gaudet d'être chassé pour cette dangereuse mise en échec à l'endroit de Kevin Korchinski en milieu de deuxième. Grayson Sachin réplique avec une droite au visage de Gaudet. Il est puni lui aussi. Les deux équipes évoluent donc à 4 contre 4. James Malatesta bat de vitesse la défense de Seattle et s'échappe. Thomas Milic résiste. N'est que partie remise pour le joueur par excellence des dernières séries dans la LHJMQ. Malatesta complète un bel échange amorcé par Komarov et Théo Rochette. C'est un 5e but en 4 matchs dans le tournoi pour Malatesta. Jeremy Hensel décide de le surveiller de plus près. C'est un peu trop près même. Il est chassé pour bâton élevé. De son territoire, Schaefer envoie ensuite la rondelle dans le filet protecteur à l'autre bout. Il offre un 5 contre 3 à Québec pendant 31 secondes. Seattle parvient à s'en sortir. Rochette est celui qui obtient la meilleure chance à 5 contre 4. Son tir touche la barre. Justin Robida a également la chance d'assommer les Thunderbirds à mi-chemin en troisième. Il frappe au vol, un retour de lancer. C'est encore une fois directement sur la barre horizontale. Avec 7 minutes à jouer, Seattle évolue avec un homme en plus, mais c'est Québec qui menace. Nicolas Savoie et c'est Justin Robida qui relance et Gaudet va venir l'appuyer. Et ça va donner un 2 contre 1. Robida à Gaudet, le tir et le but! Cassine Gaudet! Incroyable, les Remparts dominent à tous les niveaux. Après un but en infériorité numérique, ils marquent en avantage numérique. Zachary Bolduc casse les reins des Thunderbirds. Charles ajoute son grain de sel avec 2 minutes à faire. Il bat Thomas Milic du côté rapproché. Patrick Roy et les Remparts peuvent dire « mission accomplie ». Ils l'emportent 5-0 et mettent la main sur la Coupe Memorial. Rousseau a bloqué les 32 tirs dirigés vers lui. Il devient le 4e gardien de l'histoire à réussir un jeu blanc en finale de la Coupe Memorial.